Non, non, c'est juste... Bon, tu peux retourner à ton poste, merci. Bon, allez, revenons à nos moutons. Tu peux nous refaire le 4-3-2-1, s'il te plaît, Julien. Attention, par contre, ton bonbon, parce que... Ah, pardon, excuse, je vais... Attends, je le mange, ouais, voilà. On mâche, on y va. Je suis déçu. Allez, 3, 2, 1... Attends, pas fini. C'est la dernière fois que je fais une interview avec toi. Ah mais maintenant moi je suis cash, je dis les choses. Ah bah écoute, moi c'est pas... C'est... Moi j'ai rien demandé, c'est pas moi qui ai demandé quoi que ce soit, Sam, donc... Bah, moi je suis gentil, je suis là, je réponds à tes questions. T'es gentil, t'as fait des pieds et des mains pour venir. Ah non mais alors, c'est vraiment la blague de l'année. Alors, c'est t'as, la t'as blague de la nuit. T'as eu Emma au téléphone. Mais c'est pas. Alors à la base, déjà, on a couru. Alors, vraiment, ça, je suis pas de mauvaise foi. Moi aussi. Mais moi je te plus, jure, je vraiment, vraiment, à la base, j'ai même pas répondu. À la base, on m'a relancé 40 fois pour venir faire les interviews. Qui t'a J'étais relancé pas celle qui s'occupe de moi sur les. C'est toi ou c'est. Ah, t'es bien d'accord qu'au début, je t'ai pas répondu, frère. C'est pas moi qui ai couru. Ouais, merci, voilà, j'ai pas fait des pieds et des mains. Moi, bah, j'ai moi, rien demandé. Emma, qui est ma programmatrice, m'a dit que t'avais envoyé 40 textos pour. J'ai rien venir. Envoyé. Et toi, t'es témoin, je pense que tu m'as eu. De son côté, je sais pas, en tout cas, moi, du côté. Voilà, et moi, je pense que j'ai marché qu'avec elle. J'ai rien demandé à personne. Parce que moi, je parle pas moi qui cours. Au bout d'un moment, si tu fais tout pour venir. Ouais, non, ici, mais Sam, c'est si moi, j'ai rien demandé. Les interviews, je les demande. Pour faire une interview. Donne de la matière. Oui, non, c'est mais minimum, j'ai rien de... Oui, je sais, mais moi, j'ai rien demandé à personne, en fait. C'est pas moi qui cours derrière les interviews. Hein, parce que je m'en bats les couilles, là-bas, je fais pas d'interviews. Bon, tu ferais pas la Villa des Cœurs Brisés, t'aurais pas fait 10 couples parfaits si tu courais pas après les interviews. Au mais bout j'ai d'un jamais moment, couru. Des gens ouais, pour vas-y, non, mais alors là, pas du tout. J'ai jamais couru derrière une interview. Je m'en bats les couilles, c'est pas. Bon, Julien, tu me fais le 4-3-2-1, s'il te plaît. On reprend. 3, 2, 1. C'était une blague. À la vie de ma mère, je suis en train de briller depuis tout à l'heure, Sam. Je suis vraiment en train de briller, je rigole pas. C'est un prank, tu as été pranké. Oui, encore, je te jure, j'étais gentille. J'étais à deux doigts là, de me lever, de me barrer. Mais vraiment, la pauvre est même... Non mais t'inquiète, elle est dans le coup. La pauvre, elle me... Non mais vous êtes des... Vous êtes des votes. Frère, j'étais vraiment pas bien. Et encore, j'ai trouvé, je me suis dit, mais Julie, elle va péter. Non, mais c'est parce que je suis respectueuse quand même. Tu le vois bien, je suis respectueuse. Comme fille, je vais pas manquer de respect, tu vois. Mais j'étais à deux temps de me dire, vas-y, il m'a bandé celui-là, je me barre. T'as ressenti quoi tu, mais tu t'es dit quoi par rapport à mes questions, par rapport à moi? Mais je me suis sentie très mal à l'aise en fait. C'est tu vois, mais tu me voyais, j'étais là, je savais pas quoi dire. Je peux pas te manquer de respect non plus, tu vois. Ah bah attends, quand même, là j'ai été une ordure. Je sais, mais tu vois comme quoi je suis pas une mauvaise fille, tu vois, que je suis pas. Je respecte le travail. Et quand tu m'as dit, tu cours derrière les interviews, j'avais envie de te dire, mais frère, mais t'es qui? Je cours pas derrière les trucs, je demande rien à personne en fait. Depuis j'ai le voulu début. Te toucher, j'ai voulu te ah piquer. Ah ouais, mais franchement, je suis fière de moi, je vois que j'ai évolué, tu vois. Ouais, il y a du progrès. T'as mais quand même, je te cache pas que j'ai senti que tu bouillonnais. Voilà, j'étais pas bien. J'ai dit, mais attends, il se fout de ma gueule. Vraiment, il se fout de ma gueule. J'ai dit, mais en fait, j'étais à deux doigts de dire, c'est une blague? C'est une blague ou comment ça se passe? Mais t'as pas vu que je commençais à dire, vas-y, je vais me barrer. Je vais me barrer loin bah, de là. Dans ta position, un petit peu. Dans ta position. Mais franchement, chapeau. Franchement. Chapeau parce que j'ai été exécrable. On peut t'applaudir. J'ai été exécrable. Exécrable. Et t'as, franchement, t'as nickel. Mais le truc de la chanson et tout, c'était faux. À partir du moment où j'ai commencé à te poser des questions, oui, parce que pour tout vous dire, ouais, non, parce que je n'ai pas coupé, je me suis servi de l'interview classique de Julie et je suis allé, j'ai prétexté une nouvelle séquence Cap ou Clash. Ah, d'accord. Cap ou Cash, justement pour commencer ce prank. T'es vraiment voilà. Un petit donc con. Ça a commencé à t'es partir t'es vraiment du single. Un petit con. Non, mais parce que en plus, elle, je la vois limite, elle pleurait. J'ai dit, c'est pas possible. J'essayais de chercher son regard parce que je me disais, je comprends pas. Elle, rien à foutre. toi, rien à foutre fois 10. Ah mais je te jure que je me suis sentie très 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 mal, mais vraiment. On se retrouve bientôt pour un nouveau prank. Bien évidemment, ceci était un prank, c'est une blague. Si tu as envie de découvrir la vidéo en intégralité, le lien cliquable est dans la barre de commentaires juste en dessous.